Hello tout le monde, c'est Elnora 22, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de Pentiment, un jeu développé par Obsidian Entertainment et édité par Xbox Game Studios. Installez-vous confortablement sur votre canapé, votre lit, votre chaise de bureau ou sur vos WC, peu importe, let's go! Alors, nous nous étions arrêtés tout de suite après le deuxième meurtre, à savoir celui d'Otto. Comme dit auparavant, nous allons tenter d'avoir un parcours le plus propre possible avec un maximum de succès à débloquer, mais évidemment qu'on n'arrivera pas à tout faire étant donné que nous ne possédons qu'une seule journée pour pouvoir enquêter. Donc ça va être un peu plus corsé que lors du premier meurtre. Par contre, quelque chose sur lequel il faudra absolument s'attarder, c'est un succès en lien avec la santé des docs, notre ami, notre cher frère. Pourquoi ? Parce qu'il faut absolument le faire avant que la fin de l'enquête se termine. Et nous ferons donc ce succès qui s'appelle le malheur des docs, impérativement. Alors, pour ce faire, nous allons nous rendre auprès du frère Edoc. Et nous allons passer par la crypte puisque la bibliothèque est fermée. Alors, on va se rendre peut-être directement depuis l'église, ça va être plus simple. Alors ici on a Karl. Mais comme nous avons débloqué le passage depuis la crypte. Arrivé ici, on va parler à frère Edoc. Voilà, donc on voit vraiment que frère Edoc, il n'est pas superbement au point. On va pouvoir parler à frère Florian, notre médecin. Thank you.
Donc là, il faut qu'on aille demander de l'aide à Gertrude. Donc on s'y rend. Et on va aller au couvent pour ça. Notre chère amie Gertrude, elle est ici. On y va sans tarder. Donc là, du coup, on n'a pas pu monter, on n'a pas montré la fleur jaune parce qu'on va s'occuper réellement de cette gentiane. Donc, pour ça, on va aller dans la forêt. On va se rendre près de la cascade. Là, vous avez une première fleur. C'est celle-ci qu'il faudra ramasser, mais avant, on va se rendre ici. C'est notre dernière fleur, donc normalement vous devriez avoir obtenu votre succès avec le fait du médifleur. Alors je me souviens avec le fait d'avoir humé 10 fleurs et donc avec le succès qui s'appelle Santé les roses, même si ce ne sont pas forcément des roses à chaque fois. On va pouvoir ramasser cette fameuse gentiane ici. Et on va la porter à notre chère bonne sœur. Donc là, on va donner la fleur jaune à notre sœur Gertrude. On va dire à plus tard. Donc on va passer le temps. C'est important de vraiment faire la mission en lien avec Edoc et pas d'interférer avec une autre mission parce que du coup ça ne se valide pas pour une raison que j'ignore. Mais voilà. Donc du coup, ça nous l'avons fait. On va pouvoir revenir un petit peu plus tard pour pouvoir sauver notre, enfin sauver, soigner plutôt notre cher frère Edoc et avoir ainsi notre succès, le patient des Cornouailles. Donc du coup, ce que nous allons pouvoir faire, c'est qu'il y a aussi un succès en lien avec des confessions et avec le fait de se repentir. Donc on va faire ça. On va aller se repentir. Même si on n'a pas commis grand-chose comme faute. Mais voilà, on va pouvoir rentrer à l'église. Et là, vous voyez, alors je ne sais pas si vous faites le lien, mais ça ressemble étrangement
à ce que nous avons fait la dernière fois pour pouvoir atteindre notre rêve. Donc là, vous pouvez parler à Père Thomas. Rien dire. Alors voilà. Le but est de recueillir ici les confessions des autres habitants. On n'est pas contre. Alors là, vous allez plutôt envoyer Caspar allumer un cierge pour découvrir en fait la confession de Paul. Thank you.
Donc là, vous venez d'apprendre la fidélité de papa. Papa le meunier. Là, c'est au tour d'Anna. Et c'est très important ce qu'elle va dire. C'est très important cette fameuse lettre de Martin Bauer parce qu'elle va nous amener à un succès un petit peu plus tard. Ne dites rien. Voilà, donc vraiment, vous allez entendre la confession de tous les gens, hein. Y a beaucoup d'adultères, hein. Et là, le pauvre, il doit réciter 5 dizaines, hein, de « Je vous salue Marie ».
Ça prend du temps, par contre, la confession. On va essayer. Bon, voilà. Donc là, il faudra se confesser pour obtenir notre pénitence et obtenir notre succès qui s'appelle l'homme repenti. Donc, confessons-nous. Il faut faire trois. Je vous salue. Et puis deux fois, notre Père qui est aux cieux. Et là, vous devriez avoir obtenu donc votre succès, l'homme repenti, faites votre pénitence. Bravo. Et en venant confesser en plus de ça, vous allez obtenir une information capitale de la part de Sœur Amélie, qui va nous permettre aussi de débloquer un autre succès un petit peu plus tard.
Alors là, on va pouvoir retourner voir sœur Gertrude. Garde au sanctuaire, peut-être est-elle là. Ah voilà. Donc, notre chère amie Gertrude se trouve au sanctuaire. Alors, quittez en disant moi aussi, merci de votre aide. On va retourner la voir un peu plus tard. On va retourner à la crypte pour redonner le traitement du coup à Frère Edoc et obtenir un autre succès. Et là, vous avez obtenu votre succès, le patient de Cornouailles, puisqu'on a réussi à donner le traitement à Frère Edoc. Bravo, c'est celui peut-être qui est à faire vraiment en priorité dans cette deuxième enquête, parce que voilà, elle prend du temps. Du coup, nous avons pu préparer ce médicament, on a pu assister aux confessions, en assistant aux confessions, on a appris plein de choses très intéressantes. Et là, on va pouvoir retourner voir notre sœur Gertrude pour pouvoir enfin lui parler de cette fameuse plante. Manger avec Sœur Illuminata. Non, Sœur Illuminata, elle est en haut. Enfin, sœur, mère. Faut avoir l'habitude. On va faire l'innocent, la crypte.
Alors, Karl, si vous vous souvenez bien, on l'a complimenté par rapport au feu de joie qu'il a fait. Et enfin, normalement, si vous avez bien tout suivi comme moi, donc normalement, ça devrait bien se passer. Alors, c'est soit les sœurs se débrouillent elles-mêmes pour essayer de passer, soit on va essayer de le persuader nous-mêmes. Voilà. Donc, si vous n'avez pas réussi à obtenir, comme je l'ai dit auparavant, votre succès en lien avec l'art de la persuasion, vous pouvez tenter de l'obtenir ici. Donc, vous avez compl... Alors, c'est écrit en anglais. Vous avez donc complimenté le feu de joie lors de la Saint-Jean, et puis vous avez encouragé le fils de Karl à obéir à son père. Et donc, normalement, vous devriez pouvoir réussir. Gertrude, elle n'est pas contente, mais c'est pas grave. On va commencer par le vin rouge, allez. Thank you.
Pas très convivial en tout cas. Alors là, nous allons nous coucher. Donc là, vous voyez, c'est la révolution.
Voilà, donc là, vous avez vu qu'il nous reste plus beaucoup de temps. Et si vous regardez vos quêtes, il faut vraiment qu'on se dépêche de... Faut vraiment qu'on se dépêche, en fait, avant que la ville ne soit rasée. Donc, on a cette histoire de fleurs jaunes. Pour ça, il va falloir aller vers Sainte-Santia. On a aussi une preuve, enfin, on doit apporter des preuves contre Guy. On a aussi des choses à faire dans l'auberge et des succès, plusieurs surtout. Et on doit faire aussi avec le meunier un succès. On va vraiment essayer de faire un des succès qui s'appelle le cerf. Et pour ça, on va aller trouver le meunier. Ça va être un peu comme le premier meurtre où en fait on n'avait pas recueilli tous les éléments, mais on a quand même pu inculper cinq personnes. Là, ça va être un peu pareil. Alors. Alors là, il y a toujours Staub. On va chasser.
Donc, si vous appuyez deux fois très rapidement sur le D-pad vers le haut, donc deux fois avec le D-pad haut puis A, et que vous tirez dans la tête ou apparemment dans le cou du cerf, vous obtenez le succès le chasseur de cerf. Bon, maintenant, ce que nous allons faire, c'est qu'on va tenter d'obtenir l'autre succès, celui où on ne tire pas parce qu'on adore trop les cerfs. Et pour ça, eh bien, on ne va pas tirer dessus. On va donc. Donc, nous allons aller dans le menu principal. On va quitter le jeu. Continuer. On va tout refaire. Et dès le moment où le meunier nous dira de tirer, ben, on va rien faire. Voilà, donc là, ne tirez pas et vous devriez obtenir le succès. Ne touchez vraiment pas votre manette, hein. Et là, vous avez obtenu votre succès, la main de la miséricorde, pour avoir refusé de tirer sur le cerf. Et on va rester plutôt avec cette impression-là, hein, de ne pas être un meurtrier. Alors, parler avec Samuel. Samuel, il veut pas.
Alors, vu qu'on est à l'heure du repas, on va faire autrement. On n'a pas d'autre choix que de partager un repas, malheureusement. Ok. Bon. On va faire autre chose. On va jouer au lance-quenet plus tard. On va se rendre chez Martin Bauer. On va parler avec Brigitta, ici présente. Ici, dites que les voyages l'ont bien changé. Et ici, dites bah, que vous cherchez une raison pour laquelle quelqu'un aurait voulu tuer Otto. Et là, si encore une fois vous n'avez pas obtenu le succès de l'art de la persuasion, vous pouvez l'obtenir ici. Donc le but vraiment, c'est déjà de une, dans l'acte 1, de ne pas accuser Martin du meurtre du baron, d'avoir tout au long de cette deuxième acte dit que voilà, le fait qu'il ait changé, c'était bien, de le complimenter sur le changement, de ne parler que de bien en lui. Ça va convaincre Brigitta, et en convainquant son épouse, eh bien, normalement, on devrait pouvoir débloquer un succès. Et là, vous avez débloqué donc votre succès qui s'appelle Parmi nous, découvrez l'imposteur. Et voilà, Martin est mort.
Et donc voilà, vous avez découvert l'horrible vérité, à savoir que Martin en réalité est mort et que cet homme n'est pas Martin. Et donc pour obtenir le succès, l'imposteur, comme je vous l'ai dit, il fallait que dans l'acte 1, nous n'accusions pas Martin afin d'avoir la confiance de Brigitta. Et que dans ce deuxième acte, eh bien, on dise que du bien sur Martin et montrer à Brigitta qu'on se soucie de son bonheur afin qu'elle puisse nous révéler la vérité. On va juste voir si Martin Bauer nous dit quelque chose. Non, il nous dit rien. Bon. Alors. Pour le coup, on va se rendre. On va se rendre à l'épi doré. À l'épi doré, pardon, à la main dorée. Je sais pas pourquoi je parle d'un épi. Et nous allons manger avec Nico. Il nous reste plus que 5 heures. Il nous reste plus que 5 heures. Thank you.
On va jouer au lance-quenet. Le lance-quenet, vous avez deux succès, soit vous raflez tout, soit vous perdez tout. Vous pensez bien que perdre tout est assez facile, gagner tout est un peu plus compliqué. On va essayer de trouver des stratégies. Alors évidemment que ça dépend aussi des compétences que vous avez acquises lors de votre game précédente. Par exemple, si vous avez choisi la compétence de vaurien, à ce moment-là, vous pourrez tricher lors de votre partie, donc ça va grandement vous aider. Bon, dans notre cas, on ne l'a pas fait. Soit vous êtes logique comme moi et ça va vous donner des statistiques qui peuvent aussi vous aider. Le but vraiment étant d'avoir la même carte que celle qui est posée au milieu. Donc, la carte la plus forte, c'est la reine, le roi et le valet. Donc, par exemple, celui qui distribue à la carte la plus forte. Alors là, vous voyez, vous avez 24,7, donc on va miser. Et les feuilles sont les plus fortes, donc les plus fortes, voilà, suivies des cœurs, donc par exemple le deuxième chez moi, les clashs et les glands. Bon, c'est un peu comme le poker, quoi. Un peu plus compliqué que prévu. Donc on a tous 19 florins. Alors moi je suis à 34,7, donc je vais miser.
Donc voilà, là normalement on devrait obtenir le succès. On a tout perdu! En plus, c'est un succès peu fréquent. Apparemment, c'est plus facile de gagner que de perdre. Bref. Ok. Ah non, attendez. Le principal, quitter le jeu. Donc je possède la meilleure carte. Donc il faut que les autres fassent passer un 3, 5, 1. Bah, c'est moi. Petit bonheur, la chance. Bon, là, j'ai la carte la plus nulle. Donc il y a déjà un 3 qui est parti, donc là on va se coucher, on va pas prendre de risque. Donc il y a déjà 2-5 qui sont partis, donc normalement lui devrait pas être, devrait être éliminé. 1, 2, 5, 6 en fait. 1, 2, 5, 6.
le succès de tout rafler au lance-quenet, que ce fut laborieux. Je vous cache pas que j'ai dû faire 6-7 parties sans avoir la compétence de vaurien. Alors, évidemment que si vous avez la compétence de vaurien, et ben vous trichez à chaque fois que c'est vous qui distribuez les cartes. Donc, c'est beaucoup plus simple. Pour ma part, comme j'avais la compétence juste logique, voilà, mais même avec la logique, en fait, les chiffres n'aident pas autant que ça. En fait, voilà, c'est vraiment un coup du hasard et c'est vraiment un peu comme le poker. C'est soit ça passe, soit ça casse. En l'occurrence, voilà, je me suis vraiment fiée au tas de cartes que j'avais en bas à gauche. Et dès que je commençais à voir deux cartes identiques aux miennes, c'est-à-dire, par exemple, si j'avais un 3, et ben, dès que je voyais deux 3 en bas à gauche, là, vous arrêtez, vous couchez direct. Après, voilà, ça m'est arrivé d'avoir des cartes où ben, elles sont sorties au dernier moment, et ben, ma foi, tant pis, j'ai perdu. Mais voilà, c'est soit vous tentez, coûte que coûte, d'obtenir ce succès avec les compétences que vous avez dès le départ, voilà, soit vous attendez avec la compétence vaurien pour tenter d'obtenir ce succès. Et en fait, à chaque fois que c'est vous qui distribuez, vous trichez. Et dès que ce n'est plus vous qui distribuez, eh bien, vous vous couchez direct. Bon, nous, c'est bon, on l'a obtenu, notre succès. On va pouvoir continuer dans l'histoire. Ouf. Non, sans difficulté, hein. Alors, on va parler à tout le monde. Alors, ensuite, on va monter voir nos chers amis le médecin. Ici, vous pourrez obtenir de nouveau une conversation en lien avec l'art de la persuasion si vous n'y êtes pas arrivé. Pour ça, rien de plus simple, il suffit simplement de l'écouter.
Bon, on va pas s'attarder sur l'italien si vous parlez pas italien. Là, dites que vous devez confesser votre ignorance ou bien qu'elle ne vous est pas familière. Bref, en gros, pour pas rentrer dans la conversation. Et là, cette conversation est la vôtre. Et là, dites bien, voilà, c'était son voisin, il est intervenu, il était présent, hein, lors de l'incident. On va le mettre en valeur, quoi. Voilà, donc là vous pouvez convaincre Werner en ayant choisi les mêmes options que moi. Et encore une fois, l'obtention du succès en lien avec l'art de la persuasion si vous n'y êtes pas parvenu encore actuellement. Donc, vous êtes resté en dehors de la discussion sur l'histoire naturelle, hein, on s'en est pas mêlé et en plus on a mis Werner en valeur deux fois. Et là, vous voyez qu'on est en train vraiment de pointer Martin Bauer de plus en plus, hein. Est-ce vraiment lui? Voilà, donc même le médecin, il se rend compte que
quelque chose de suspect avec ce Werner, hein. Avec ce Martin Bauer, pardon. Donc là, tout le monde se bat. Et on va faire un « et ». Sont arrivés. On va essayer de se rendre chez les Albans. Je sais pas si on y arrive. Hein. On va se rendre au centre-ville. On va voir la petite Anna. Et on va essayer d'avoir le... la note. Ensuite, on va essayer d'obtenir les aveux de Martin. On va essayer de ne pas se rendre sur les terrains communaux, hein, parce que c'est là où on nous attend. Donc, on va essayer de faire des détours. Une fois qu'on a ces trois éléments, donc, à savoir la note de Anna qu'on a entendue lors de la confession, l'histoire de la cicatrice avec le médecin, les aveux de Brigitta, et en plus de ça, le fait qu'il y a un des voyageurs qui a l'impression d'avoir reconnu Martin. Tous ces éléments-là font qu'on va confronter, du coup, notre cher ami, pseudo Martin. Martin, qui êtes-vous? Et là, voyez. On a tous les éléments, hein. On est orateur. On a dit à Martin que c'était bien qu'il soit revenu. On a eu les aveux du médecin par rapport à sa cicatrice. Et ça disparaît pas comme ça. Brigitta a admis que, pareil, ce n'était pas Martha. Et Martin. Et en plus de ça, encore une fois, un voyageur l'a reconnu.
Voilà. Donc, par rapport à Martin, l'enquête, on l'a terminée. Hein. On va se rendre à l'abbaye. À l'abbaye, on va interroger Sœur Margaret. Ah, ma Sœur Margaret qui est donc là. Alors là, vous voyez, il y a frère Guy et frère Lucas qui correspondent à la description. C'est très important de ne pas mentionner le frère Guy parce que bah, si jamais ça lui retombe dans les oreilles, voilà. Hein. Donc, bah là, c'est bien simple, hein. Va falloir tous les faire. Prenez et secouez. Okay.
chance, ça devient bleu. Là aussi. Et voilà. D'accord, donc c'est pas celui-là. Donc celui-là. Ok. Donc le Sherling. Qui contient donc des sous. Alors, une fois que ça c'est fait, on va se rendre dans la sacristie, dans l'église. Attention mon ami. Là, on regarde. Et là, on regarde. Dans cette armoire-là, il y a un journal. Et c'est le livre de comptes. Une fois qu'on a cet élément-là, on va se rendre au scriptorium. Et au scriptorium. On va enquêter sur les affaires de Guy. Voilà, donc il faut laisser longtemps, hein.
Alors, je me suis dit, c'est précisément la raison de ma présence ici. Et sœur Amélie a entendu votre confession. Puis j'ai trouvé votre livre de compte. On va pas accepter l'argent quand même. Du coup, on va pouvoir se rendre chez nos amis, les soldats du duc. Et donc, on va retourner sur les terrains communaux. Bon, soyons prêts. C'est parti.
En fait, on a tellement été gentil avec Caspar que il veut pas nous quitter. Voilà. Ça en aurait valu. Si on aurait voulu qu'il nous quitte, on aurait dû être odieux. Bon bah pour le coup. C'est bien simple. Vous avez soit Martin, donc Martin qui n'est pas réellement Martin, parce que voilà, on a recueilli plusieurs éléments, donc dont Joshua, un des paysans qui l'a reconnu, le médecin qui tout d'un coup ausculte Martin et il n'y a plus de cicatrices, et puis ben Brigitta quand même, voilà, qui nous a donné la vérité. Ou bien frère Guy, qui volait l'argent, du coup, dans l'abbaye. Alors, on va faire un peu comme dans la première enquête de l'archidiacre. On va accuser quelqu'un, obtenir le succès, et on va relancer la partie. Allez, on va accuser Martin. On l'a obtenu. On revient au menu principal. On quitte le jeu. On va pas plus loin. Hein. On reprend depuis là.
On a accusé Martin. On va accuser Guy. Mais voilà.
Voilà, fin de l'acte numéro 2, une fin qui est quand même bien triste, hein, parce qu'on se rend compte que malgré des promesses tenues, et ben voilà, la haine, on va dire, a été plus forte que tout, et on a sacrifié au nom de ça des manuscrits d'une grande valeur. Donc dans l'acte numéro 2, vous avez une troisième personne qui est suspecte. On l'a pas identifiée ici parce qu'elle est en lien avec la fleur jaune, qu'on n'a pas pu enquêter dessus pour la simple et bonne raison qu'on n'avait pas le temps. On s'est vraiment consacré au maximum sur deux suspects, à savoir Martin et Frère Guy, sachant qu'il y avait un lien avec un succès en lien avec Martin, donc c'est par rapport au parti de Lansquenet. Et avec Frère Guy, malheureusement, du coup, on a été un peu pressé par le temps et on n'a pas pu vraiment, enfin, il n'y avait pas réellement de succès en lien avec celui-ci. Mais voilà, comme le temps était relativement court, on a enquêté dessus. Lors de notre deuxième session de gaming, on va évidemment s'intéresser à cette petite fleur jaune et on va mettre en lumière le nom de cette troisième personne suspecte qui nous manquera du coup dans la liste des succès finaux. Mais voilà, pas de souci, on s'en occupera. Vous avez vu aussi, il y a eu des succès qu'on n'a pas pu obtenir, notamment le fait de prendre part à la bagarre, pareil, parce qu'on n'a pas la compétence de vaurien malheureusement. Donc ça, pas de souci, on la fera lors de la deuxième session de gaming. Sinon, c'est vrai que dans l'acte numéro 2, il nous manque aussi le fait de terminer en mauvais termes avec l'abbé, ce qui fait qu'on aurait dormi à la main dorée et on aurait pu se plaindre de la chambre à Nico, donc le succès service de chambre. Voilà, donc dans l'acte 2, il nous manque très très peu de succès qu'on va obtenir assez rapidement, vous le verrez. Bientôt l'acte 3, hein? Alors là on a vu qu'Andreas est mort, mais qui sait, peut-être que son apprenti va prendre le relais, je ne sais pas. Allez savoir. Moi, je vais vous laisser. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à mettre un pouce vers le haut sur la vidéo si elle vous a été utile, à me rejoindre sur Twitch, sur Twitter. On se retrouve bientôt pour la suite des aventures de... Bah alors du coup, ce sera plus vraiment Andreas, hein, mais peut-être de Caspar, qui sait. D'ici là, portez-vous bien. À la prochaine. Ciao.